il y a 20 ans, entreprise et université apparaissaient comme deux mondes contradictoires, opposés, à tel point on avait inventé des zones de contact particulières qui étaient l'Institut d'administration des entreprises. Là, l'université et l'entreprise pouvaient se retrouver, mais ailleurs, ce n'était pas considéré comme convenable. Aujourd'hui, plus personne ne vous parle de ça. Dans nos master pro, nous avons beaucoup d'intervenants extérieurs, c'est-à-dire ce qui fait leur intérêt et leur qualité, et tout le monde en est très content. Bon, je crois que nous savons très bien que la plupart de nos étudiants, bon, il y a une petite partie qui resteront à l'université pour être nos successeurs, mais notre mission va naturellement bien au-delà. La plupart de nos étudiants, ils font carrière dans une entreprise, donc nous n'allons pas avoir cultiver une culture antagoniste par rapport à ces entreprises. Le premier élément concerne l'anglais. Nous avons aujourd'hui un service des langues transversal qui permet à chaque département, à chaque diplôme, de puiser dans ses ressources afin justement que l'anglais, mais également l'espagnol, l'allemand, le russe, le chinois, l'arabe, soient des langues qui puissent être non plus simplement apprises, mais réellement maîtrisées pour être utilisées d'un point de vue professionnel. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que l'université, a fortiori parisien, n'a plus à rougir d'un petit différentiel qu'il y a pu y avoir dans le passé avec d'autres établissements. Et je rappelle un petit détail, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est difficilement assumé par personne politiquement. L'université est démocratique en France, c'est-à-dire que tout le monde peut y rentrer avec le bac. En réalité, elle est très sélective. C'est-à-dire que à la sortie, C'est les plus méritants voilà, qui ont. on a quand même, et c'est une vraie difficulté, mais avec le niveau d'échec, en particulier en première année de licence, qui doit être d'ailleurs combattu. Mais c'est ce qui fait qu'en réalité, la valeur du diplôme reste forte, contrairement à tout ce qu'on peut raconter sur, là encore, ce que je disais tout à l'heure, la massification, la démocratisation. En réalité, on a une université qui est sélective, sauf qu'elle n'est pas à l'entrée, elle l'est à la sortie. L'idée que développe Serge Vipelet, c'est que les littéraires sont faits pour l'entreprise. C'est-à-dire que longtemps, on a considéré que les littéraires étaient faits soit pour l'enseignement, soit pour la recherche. Il se trouve qu'ils sont aussi parfaitement adaptables au monde de l'entreprise et ils apportent un vrai plus aux équipes. Et ça, on le constate, puisque maintenant, on a 4 années, l'opération a 4 ans, et on voit bien ce qu'apportent nos phénix dans les entreprises. En tout, on en a recruté 120, et tous ceux qui sont en poste ont des qualités tout à fait complémentaires avec ceux des grandes écoles, par exemple. J'ai justement peut-être pas envie de parler de leurs forces et de leurs faiblesses, ou de leurs plus et de leurs moins par rapport à d'autres candidats, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils réussissent tout aussi bien que d'autres profils. Donc, ce qu'ils amènent de plus, c'est peut-être justement de la diversité dans nos collaborateurs, leur capacité à raisonner ou à voir les problématiques de manière différente. Mais ils sont, et ils nous le prouvent tous les jours, des collaborateurs comme les autres qui peuvent réussir de manière totalement identique. On n'est pas si en retard que ça. Faut pas céder à l'ambiance, à l'université, on est à la bourre, on est en retard, l'entreprise, on ne connaît pas. C'est pas vrai. Sur le terrain, ça se passe pas mal. Et puis nous, on a quand même une chance qui est énorme, c'est qu'on a une marque qui est la Sorbonne, qui est ultra sexy. Donc, tu me parlais de levée de fonds, une levée de fonds pour des fonds internationaux notamment. Avoir un diplôme de la Sorbonne en poche ou faire ses études à la Sorbonne, ça veut dire quelque chose, parfois même plus que de venir de certaines grandes écoles.